Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette petite session ensemble où je m'assieds ici au paradis. Je suis un peu en contre-jour, mais le décor est tellement magnifique, somptueux, et puis c'est le calme à la maison. Je suis dans une maison d'amis et ils sont partis déjeuner. J'en profite pour partager avec vous quelques petites touches de cette pratique satyam et de ce retour que j'ai appelé satyam, mais en fait c'est cette pratique que surtout je vois tellement d'Indonésiens et de Balinais surtout qui deviennent mes exemples par rapport justement à cette pratique satyam. Tellement de similitudes. Alors je dis ça en toute humilité parce que bien sûr c'est absolument pas ma culture de base. Je n'y connais absolument rien par rapport à ce que eux peuvent nous apprendre au quotidien. J'ai été faire mon petit soin ce matin de femme et pendant ce soin, à chaque fois, j'en profite pour échanger avec ces balinais absolument dingues qui me racontent leur philosophie de vie, leur histoire, leur religion, leurs croyances et leur façon de vivre. Et j'avais envie de partager cette petite méditation avec vous là-dessus, parce qu'en fait, au final, on peut tourner les choses comme on le veut. Il y a toujours une chose essentielle, c'est de revenir à notre cœur, revenir à ce sat, à cette essence, à cet essentiel. Et on peut utiliser notre cerveau et notre intelligence pour chaque fois aller voir d'autres dogmes, d'autres philosophies, des enseignements, des croyances, ce que même la médecine nous apprend. Et alors c'est drôle parce qu'elle me racontait que la médecine ou les hôpitaux c'est fait pour guérir le corps, mais que quand le cœur ne va pas bien ou même quand le corps ne va pas bien, c'est généralement une histoire de cœur, et que de revenir au niveau du cœur, il n'y a finalement qu'une chose à faire, c'est ce qu'ils font eux, sont les offrandes, sont les prières. Et c'est ce que pour moi signifie et est la méditation, c'est ce que est ma méditation. Et c'est vrai qu'il peut y avoir quoi que ce soit qui se passe dans ma vie au jour le jour, des choses positives et négatives comme tout le monde, j'ai cette chance mais tellement immense, et j'en ai parlé avec Emily Kluser when I went into, just a little dedicated to her, when I went to Ubud last week. I'm speaking a little bit in English also for her, so just thank you for that. Quand je reviens à cet enseignement de la Nusara Yoga et de tout ce que cette communauté autour de Sally Kempton nous a apporté, c'était bien ça, c'est de revenir à notre essentielle nature, à tout simplement, pour le dire avec des mots très simples, s'asseoir, fermer les yeux, revenir à soi et être dans la gratitude de tout ce que l'on peut ressentir, revenir à nos sens, devenir le témoin de tout ce qui se passe, ne plus essayer de contrôler, ne plus essayer de prendre, mais juste d'être et de remercier simplement d'être. Et on peut dire quoi que ce soit, j'ai voyagé dans beaucoup d'endroits, même si le monde est grand et que c'est beaucoup de peu d'endroits par rapport à ce grand monde. Il n'y a rien à faire par rapport à ce que l'on retrouve à Bali, est-ce qu'on le ressent, cette gentillesse et cette capacité qu'ils ont, ces Balinais, avec cette philosophie hindouiste, à ne pas voler ce que l'autre a ou à ne pas se sentir séparé, à être tout simplement connecté à la vie, à la vraie vie, au temps qui passe en toute simplicité, parce qu'ils prennent le temps de faire leur prière, on peut dire ils prennent leur temps de méditer, et c'est ce que je vous conseille, c'est ce que je vous souhaite, sans chichi, juste de revenir à cette position où on retourne le miroir, peu importe la position, mettez-vous assis si vous avez envie de vous mettre assis d'ailleurs, ou besoin, parce que nos hanches souvent ne le permettent pas, mais mettez-vous dans cette position assise, où vous êtes totalement porté par vous-même, c'est-à-dire que là, si j'essaie de tomber, ça ne fonctionne pas, j'insiste vraiment sur cette position assise, où on est porté par soi, et où on peut venir fermer les yeux, retourner le miroir avec soi-même, envers soi. Quand on se connecte à soi, on se connecte au tout. On se connecte
à tout ce qui est autour de nous et aux autres, vu que nous sommes faits de la même chose. C'est quelque chose que d'ailleurs, on ne peut pas vraiment apprendre avec le mental, on ne peut pas l'étudier à l'université ou l'étudier dans des bouquins, parce que c'est quelque chose qui se ressent, qui se pratique et qui est finalement très simple. Alors, peut-être que mes professeurs de neurosciences n'aimeraient pas que je dise ça, mais pour moi, c'est tellement cartésien. C'est juste le retour à cette force que nous avons à l'intérieur, à cette vraie vie, qui fait que on se ressent connecté. Et connecté pas seulement à soi, connecté à tout ce qu'il y a autour. Et toutes, du coup, les émotions négatives, les tensions, les sentiments de ne pas être assez bien ou d'être séparé du monde extérieur ou voilà, tout ce qu'on peut ressentir comme sentiment négatif, ça pèse parce qu'on ressent que finalement, si on est là et qu'on ressent, c'est qu'on est en vie et que si on est en vie, on a le tout à l'intérieur de nous. C'est pour ça, rappelez-vous, mon logo, les petites gouttes qui sont juste one drop, donc une essence de tout l'univers à l'intérieur. Nous sommes le tout. Encore une fois, ça peut paraître beaucoup de blabla si vous n'êtes pas dans cette pratique. Et c'est pour ça que je vous conseille d'en faire l'expérience. Il suffit de quelques minutes par jour pour vous reconnecter à votre corps, à votre cœur, à votre respiration, à vos pensées, à tout ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, sans aucun jugement, sans essayer de changer quoi que ce soit, juste en étant dans la compassion et dans la gratitude de tout ce qui est. Et à partir de là, évidemment, ça peut être aussi les asanas ou n'importe quelle pratique où on se reconnecte à ça. Je vous promets que ça marche. C'est la vraie pratique de ce que j'appelle le yoga. Alors ensemble, une toute courte méditation, toute simple. On ferme les yeux. Venez poser vos mains telles que vous souhaitez les poser. J'aime mettre ma main gauche dans la main droite. J'aime être portée telle quelle. Et venez vous appuyer sur votre dos, comme si vous vous appuyez sur la personne en qui vous avez le plus confiance, celle qui vous porte toujours, c'est-à-dire vous-même. Ressentez déjà que votre dos vous porte. Je souhaite vraiment que vous soyez dans une position assise à laquelle vous pouvez être porté par vous-même. Donc, posez-vous sur une chaise si vous avez besoin, vraiment au bord de la chaise, avec les hanches qui tiltent, qui tournent un peu vers l'avant, pour ressentir le petit creux au niveau du bas du dos. Relâchez vos épaules, relâchez votre visage. Et venez ressentir ce premier principe satyam, je l'ai appelé, ce premier aspect de notre nature qui est que notre corps nous porte. Notre stabilité. Notre présence. Observez-vous en tant que témoin, sans rien changer, sans rien essayer de modifier. Juste en observant vos sens, et même, je dirais, sans même chercher quoi que ce soit, tout est là. Observez votre corps qui en vit. Par le simple fait de tourner votre perception envers tout ce que vous ressentez. Comme si vous observiez votre propre film, ça c'est, si vous me suivez depuis un moment, je le dis depuis tant d'années, vous vous mettez dans votre propre pièce de cinéma. Et même, je dirais, si je vais jusqu'au bout de ce que j'ai toujours dit, vous asseyez au niveau du sternum, vous savez, ce petit endroit à la base du sternum, cet endroit des émotions, là où, quand on tombe amoureux, ça pulse, ce que l'on ressent. Hudaya, cet endroit, cette
Maison de l'âme. Posez-vous et observez. Et puis vous ressentez de la même façon tout ce qui bouge à l'intérieur de vous. Peut-être le bas du ventre qui bouge, peut-être la poitrine. Et évidemment, nous venons à la respiration. Cet air qui rentre et cet air qui sort au niveau des narines. Observez le simple fait de tourner votre attention envers votre respiration. On a une tendance directement, et on ne peut pas faire autrement d'ailleurs, quand on tourne notre attention vers ce prana, cette force vitale, on la contrôle. On se met comme si on se mettait à respirer. Alors juste tournez votre attention envers cet air qui rentre et cet air qui sort au niveau des narines sans rien avoir à faire. De la même façon, en étant en forme de prière ou d'honneur, d'observer, juste d'observer cette vie qui pulse en nous, pour nous, sans rien avoir à faire. Ressentez sa délicatesse dans les narines et peut-être jusqu'au niveau de la gorge, des poumons. Cet air qui rentre et qui crée de l'espace à l'intérieur. Et l'air qui en ressort avec les épaules qui se relâchent encore un peu plus. Avec ce ressenti de cette force de pesanteur qui nous stabilise sur cette terre. Relâchez tout ce que vous portez en trop et venez mettre ce voile de douceur tout autour de vous. En toute simplicité, observez, souriez même peut-être à ce que vous ressentez, parce que si vous ressentez, c'est tout simplement d'être en vie, et c'est un tel cadeau. Vous reconnectez à ce que vous avez de plus cher, cette meilleure ou ce meilleur ami qui vous a toujours accompagné depuis le début. Avons-nous juste un peu pris du temps pour ça, pour lui, pour soi, pour ce trésor, ce corps, ce mental, ces pensées, ces désirs même que nous avons et même ce corps d'enfant, j'irai jusque-là. Qui nous permet de nous donner cette motivation, de nous lever chaque matin, de vivre cette expérience qu'est la vie, avec ses bons et ses mauvais moments, mais toujours en grandissant, en parcourant ce chemin. Observez cette personne que vous avez oubliée peut-être. Observez tous ces mouvements de ces pensées ou de ces pulsations à l'intérieur de votre cœur, au niveau du sternum, ce centre des émotions, peut-être là où vous avez du feu, des envies, ce que vous n'avez peut-être pas pu ou osé jamais réaliser alors que c'est toujours là et c'est ce qui fait de vous qui vous êtes.
On a tellement de devoirs dans notre société qu'on en oublie l'essentiel. Mais il n'est jamais trop tard. Le fait de revenir à cet essentiel va nourrir cette goutte, ce précieux, notre don. C'est pourquoi nous avons été créés, pour que cela grandisse, que cela revienne de l'intérieur vers l'extérieur et pour que consciemment ou inconsciemment même, on puisse suivre les capacités que cette vie nous a données, que l'on puisse suivre en respectant nos envies, nos désirs et être en harmonie avec soi-même, alors nous activerons ce don. Nous activerons ce bonheur d'être en vie, ce partage que l'on peut faire, cette offrande avec le monde extérieur, en offrant ce meilleur qui rendra évidemment soi-même et surtout les autres heureux. Sans parler encore dans de grands discours, en toute simplicité, juste ressentez ce que vous êtes, ce qui se passe en vous. Cette simplicité de pouvoir être sans rien avoir à faire. Cette douceur qui peut venir en vous pour vous nourrir, prendre soin de vous. Accompagnez l'expire jusqu'au bout de l'expire pour relâcher encore un peu plus les tensions. Cette respiration, ce pranayama qui nous permet d'aller vraiment titiller ce système nerveux parasympathique pour lequel l'activer et calmer celui qui est toujours à nous donner des tensions. Alors on va plonger vers cette sérénité. Venez mettre une main au niveau de la poitrine et puis l'autre par-dessus. Qu'avez-vous en dessous de vos mains? Qu'avez-vous de plus cher? Quel est ce cœur d'enfant qui a envie de s'exprimer, ou même qui s'exprime, qui rayonne? Honorez-le. Touchez-vous. Toucher cette capacité que l'on a d'être soi. Cette capacité que l'on a de ressentir. Ces sens que la vie nous a donnés en respectant cette philosophie tantrique qui révèle tout le sens pour les honorer encore et encore et encore. Et mordre cette vie à pleines dents. Nous mettons les mains devant le cœur en Anjali Mudra l'une contre l'autre. Je vous souhaite de rester dans cette position assise, ou peut-être une autre position, si vous avez besoin de bouger, mais de rester maintenant dans le silence, en juste vous observant, en ressentant, en prenant ce temps pour vous, même si c'est une minute, faites-le. Pour vous et pour les autres. Les mains devant le cœur en Anjali Mudra signifie vraiment prendre ce qu'on a de plus cher entre nos mains et le monde, le mettre envers le monde extérieur. Ouvrez bien vos doigts, touchez-vous avec un grand sourire, touchez vos paumes, donnez-vous la main et inclinez votre tête en vous faisant peut-être la promesse de prendre un peu plus soin de vous peut-être, pour encore plus prendre soin des autres. Je remercie du fond du cœur ce peuple balinais, cette philosophie, cette pratique, et puis vous tous qui suivez toujours et encore. Ce qui a réveillé mon cœur d'enfant un jour, Satyam Yoga.
en vous souhaitant le meilleur. Je vous dis namasté.